Hop, avant que la vidéo commence, je dois absolument vous parler de mon nouveau projet Minecraft. À partir du 26 décembre, donc mardi prochain, j'organise la suite de la Cité des Glaces, sauf que ça sera un peu différent. Le jeu reposera autour de certaines épreuves que les joueurs devront passer, sauf que personne ne sait exactement de quoi il s'agit actuellement. Minecraft sera également modifié avec des nouveaux biomes, dont l'Overworld, le Nether et l'End, afin de rendre la partie farming 50% cité la plus intéressante possible. 30 streamers, 5 équipes, rendez-vous du mardi 26 au samedi 30 sur mon Twitch, on y sera 12 heures par jour, comme d'habitude. Infiltration, trahison, les maîtres mots du loup-garou UHC. Il y aura forcément un moment où quelqu'un qui vous semblait de confiance, quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir aller loin dans la partie, vous mettra un coup dans le dos. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. La moindre erreur d'information qui tourne dans le village pourrait causer sa perte. Et c'est précisément ce qu'il va se passer aujourd'hui. Let's go! On est parti pour ce LG sub de la semaine, wouhou! Bienvenue dans un nouveau loup-garou UHC, un mode de jeu Minecraft basé autour de la stratégie. Mensonges et coups de trahison seront donc évidemment de la partie. On va pas trop s'attarder sur le début de la partie, puisque ça commence de manière classique dans un monde normal. Je suis donc rapidement parti m'enterrer avant que les rôles n'apparaissent. Bon, qu'est-ce qu'on se dit comme rôle ce soir là? Un petit rôle villageois, loup-garou? Petit rôle solitaire peut-être, non? Petit rôle solo là. Ça sent le petit rôle solo là. Le rôle, mesdames et messieurs, pour cette game, et nous sommes... Ok, oh non, quand je suis sorcière, je suis tout le temps trublionnaire. Et je vais enfin avoir l'occasion de jouer ce prestigieux rôle qui est sorcière. Habituellement, je me serais certainement fait trublionner dès lors que ce rôle tombait. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais avoir la mission la plus importante du village, à savoir, ressusciter la bonne personne au bon moment. Je serais averti à chaque fois qu'un joueur viendra à périr, et ce sera à moi de choisir qui aura droit à une seconde chance. Mais je dois faire attention, loup-garou et rôle solitaire peuvent se cacher dans les morts. La tâche s'annonce périlleuse. Pas de couple. Aïe. Oh, attendez, les amis, est-ce qu'on va enfin avoir le droit de jouer une game sorcière où je ne suis pas trublionné? Oh my god! Est-ce que c'est possible en fait? Il va falloir parfaitement enquêter sur les actions de mes compères villageois. Et c'est pour ça que je vais tâcher de terminer ma partie minage le plus rapidement possible. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit normalement, parce que dans cette partie, je suis sorti à 70 minutes de jeu. Un temps vraiment très tardif, qui me fera prendre dès le début un retard conséquent sur la partie stratégie. L'enquête sur les autres joueurs ne doit pas tarder. Le début de la partie commence maintenant. Enfin, après que vous vous soyez abonné si c'est pas encore fait. Ouais, c'est presque Noël. Si vous voulez me faire un petit cadeau là maintenant. Bonjour, tu veux me dire quelque chose? Je voulais te partager les infos vu que t'étais pas là au zéro avant. Ah ouais, vas-y, t'as des infos? Je suis chaud de ouf. Dans la compo déjà, il y a le joueur de flûte parce que quelqu'un a eu une flûte et bah ça a hurlé il y a 10 minutes. Donc il y a le hurleur. Ok, merci des infos. Vas-y, je vais me balader, je vais aller chercher ça. Mec, il y a un JDF dans la game. Oui, j'ai vu, on m'a dit qu'il y avait un hurleur aussi. Il est parti où, chéri? Je sais pas, il s'est barré. Mais c'est son anniversaire, on doit pas le tuer. Oh, je dois te raconter un truc. Ouais, raconte-moi. Aujourd'hui, je suis au taf, tranquillou, à Disney, tu vois. Ça prend des petites photos, hein, les gens. Et quand j'étais allé à Disney, mec, il y avait un gars qui bossait. Moi, je sais plus comment il s'appelle, là, vos crew members, là, je sais plus, je crois que c'est ça. Cast member, ouais, ça. Ouais, les cast members. Je rentre dans un magasin, je vois un mec qui me fait. Bonjour monsieur Gil, je t'envoie. Pardon? Comment ça, bonjour monsieur Gil? Genre, hein, c'est trop bizarre, je vais faire des mecs avec. Ouais, malade. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, vous êtes tous fous, quoi, du coup? Mais bien sûr que non. Hop. Bah, le manga, non. Ciao. Mais non, crève en fait. Et Rose. Crève, ouais. Je t'ai défendu, hein. Ah ouais? Mais bien sûr. Bah oui, bah là, j'ai dû mettre un coup de ouf, hein. Ah, mais l'autre il est loup aussi, frère. Sérieux? Ah, ça revient bien bugger, il est. Ah, il est loup. Ah, il va te taper. Ouais, voilà, il tape. Ah putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, mais toi aussi! Espèce de chien que t'es là! J'ai pas envie de te tuer maintenant, moi, en fait, vraiment le chien de la casse. Mais j'ai pas envie, il force là. T'es vraiment le chien de la casse. Mais j'ai pas envie. Non mais t'inquiète, c'est le jeu, mec, y'a pas de soucis, mec. Je veux pas en fait. Oh, je vais aller manger plus tôt, quel bonheur. Mais non, mais j'étais pas consentant. On m'a pas demandé mon avis. Bah oui. Oh, sa mère. Lui, il a carrément tabassé ses propres teammates pendant qu'on est en train de discuter. Il avait non, fini notre discussion, on en fait. Et je me disais, pourquoi ils nous suivent depuis tout à l'heure? Maintenant, je comprends mieux, tu vois. Mais il me lâche pas depuis le début de la game. Bah non, maintenant, je comprends en fait. Maintenant. Ok, je te tue alors. Allez, c'est fini, mec, t'es mort. Ah merde, non, laissez-moi tranquille. Putain, mais en plus vous boostez, bande de chiens. Non, ouais, c'est pas vrai. T'as vu, je suis un acteur en vrai maintenant. Ouais, t'es chaud, hein? Non, mec, je suis pas du tout loup et après je devrais te tourner sur moi. j'ai mis qu'un coup. Tu m'as fait douter quand même, hein? Les gars, j'ai une très mauvaise. En vrai, les gars, faut que je vous dise un truc parce que vous allez être vachement déçus, donc je vous le dis direct. Je suis ancien, donc vous allez pas pouvoir m'infecter. Non, voilà. T'es pas ancien. Hein. T'es ah, si, mon ref. Pas mal les potes de l'ancien, du coup. Ah merde, putain, c'est vrai que vous le savez. Eh, je connais le jeu, moi. Salut les amis! Il est JDF. Bonjour. Les amis, j'ai un problème derrière. Merde. À l'aide. Ils sont loup-garou, mais moi je suis ancien, c'est pas grave, je vais respawn, vous inquiétez pas. Il est pas ancien. Nique sa mère. Laissez-moi tranquille. Je vais mourir. Non mais ça suffit. Il est grave ancien, ça casse les couilles. À l'aide, y'a les loups derrière, mais c'est pas grave, je suis ancien, t'inquiète. Ah bah il est avec nous. Ah bon bah c'est ciao. Bah au revoir, c'est bien, ça fait plein de loups. Renfo, je te jure qu'il est JDF, c'est trop drôle. Attends moi ? Non pas toi, le streamer. Mais frère, tu sais quoi, moi je joue quand même la game. Et j'ai des blocs si tu veux, moi.
Ouais bah vas-y mec, j'ai chaud. Mort. Et c'est au moment où on s'y attend le moins que la partie se retourne totalement. Deux cœurs et demi le coup. Putain, ils ont réussi à m'infecter. Mais chier, moi je voulais pas, je voulais rester ce village, mais bon. J'ai pas envie de me laisser infecter. Voilà, je le dis, j'ai pas envie de me laisser infecter, c'est un peu hors RP. J'ai pas envie de me laisser infecter, ils m'ont tué legit, j'ai balancé toutes mes potions. J'ai pas envie de me laisser infecter basique comme ça, tu vois. L'objectif de la partie change totalement à partir de cet instant. L'infect père des loups a décidé de m'infecter. Ça explique leur attaque rapide, mais qui m'aura quand même laissé le temps d'alerter les villageois. Et c'est justement ça que je vais essayer d'utiliser à mon avantage. Avant de mourir, j'ai crié aux villageois que j'étais ancien, au cas où je me ferais infecter. Sauf que je me suis très rapidement rendu compte que cette stratégie ne tenait pas la route. Il suffit que le réel ancien se manifeste et mon plan tombe à l'eau. Par contre, ce que je peux utiliser comme argument, c'est le reste de la sorcière. Et oui, parce que la sorcière ne pourra pas se manifester, puisque c'est moi. Et pour contrecarrer l'argument de leur faction, je peux tout simplement dire que mon collègue Luzord, qu'on a vu me défendre légèrement au début, a été tué et infecté. Je vais tenter une stratégie afin de retourner vers mes potes villageois. Cette stratégie implique cependant de cramer certains de mes teammates, dont Luzord. Mais normalement, les villageois sont censés avoir vu que je me faisais pourchasser par les trois. Donc ça devrait passer. Ah, ils ont tué Vancho du coup. Dans tous les cas, ils m'auraient tué là. Là, pour le coup, ils m'auraient tué. Personne n'a voulu m'aider, ils m'auraient tué dans tous les cas là. Si, même s'ils m'infectaient pas, ils m'auraient tué. J'ai quand même voulu dire que j'étais ancien au cas où, parce que si jamais là je retourne au centre, je veux pouvoir leur dire que je me suis fait tuer et que du coup j'ai respawn. Mais non, mais je sais ce que je vais dire en fait. Je sais ce que je vais dire, les gars. Je vais dire, je me suis fait respawn par la sorcière. Oh, il y a tellement de loups. What the fuck. Ok, bon, alors, va falloir les ajouter. Donc, on a Luzord. Bon, on a plus de potion de sorcière, mais au moins je peux raise un de mes teammates. Je veux tellement raise Luzord. Donc, en soit, les villageois ont pas vu mes potes. Donc, du coup, ils peuvent pas savoir. Mais en fait, de toute façon, je vais dire que je me suis respawn par la sorcière. Je vais dire, non, je suis pas ancien, c'était une blague. Je me suis respawn par la sorcière. Je vais dire. Et je vais cramer Luzord et je vais dire, c'est Luzord qui est infecté. Je vais dire juste que je me suis respawn par la sorcière et je vais dire, Luzord a été infecté. Je l'ai vu se faire tuer devant moi. Pour le coup, je vais mentir en disant que la sorcière m'arrête parce que c'est vrai en fait. Vous allez voir. Enfin, en soi, c'est pas vrai, mais c'est moi la sorcière, donc je peux mytho sur ça en fait. Est-ce qu'il y a des gens au 00, s'il vous plaît, bordel de merda. Allô à tous, j'ai deux infos pour vous. Bonjour. Allô, je me suis fait res pour la sorcière et je sais qui est infecté. Il s'agit de Luzord. Voilà, comme ça vous le savez. Ok, merci. Luzord a été infecté devant moi. En fait, c'est lunaire ce qui s'est passé. On était avec Luzord et deux autres bah, deux mecs qui étaient loups. Je sais plus c'est quoi leur pseudo. D'ailleurs, je crois que c'est Blablaga et je sais plus c'est qui le deuxième. Et du coup, il nous attaque littéralement avec Luzord. Je vois Luzord mourir directement, mais il est pas mort. Du coup, je meurs après et je me fais res pour la sorcière. C'est vraiment ça qui s'est passé hein, pour le coup. Et okay, tu veux savoir c'est quoi le pire? C'est qu'il se fait tuer, il se fait infecter. Et le pire, c'est qu'au moment du coup, je cours pour aller au centre, on recroise Luzord sur le chemin en fait. Du coup, ils sont trois à me pourchasser littéralement en fait. Donc je sais qu'il est infecté parce qu'il est loup en fait. Je sais qu'en fait il est infecté. Y a pas d'autre choix en fait. Ouais, d'ailleurs, du coup. Mais t'as réussi chéri, t'as raison, ou t'as réussi oui, à t'échapper. Non. En gros déjà. Non mais c'était une blague. Hein, j'étais pas ancien. Hein, c'était. Ah en gros. Ok. Non mais toi je vais tuer frère, c'est bon. C'est mais bon. Quoi mais non, quoi non je vais tuer mais, frère, je vais tuer. Mais non mais et je t'ai défendu, mais t'es un malade mental. Mais frère, c'est toi qui m'as tué. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Arrête, mais si frère, arrête, je vais te tuer. Mais si frère, je vais te tuer. Mais non, mais si tu veux pas que je te tue. Mais demande à chérie et tout. Demande à chérie et tout. Ils m'ont attaqué aussi les autres. Sa mère. Ils m'ont attaqué aussi les autres. Demande à tout le monde. Demande à tout le monde, je te jure. Mais t'es un malade mental. Je t'ai défendu. Je t'ai vu te faire infecter. Mais me faire infecter, mais t'es un malade mental toi. Arrête, abuse. Je suis pas mort hein. Je suis pas mort, ils m'ont tous vu hein. J'ai réussi à fuir quand tu t'es fait chase. Rim, t'es complètement fou. Non, mais vous êtes en couple tous les deux. Non, vous êtes en couple tous les deux. Voir, en fait, il était après, il était derrière toi. Mais si, frère. Mec, je tirais des flèches, tu vois. Ah, blablaga. Je t'ai vu te faire attaquer par quand tu te faisais chase par les deux là, blablaga et tout. Luzord était juste derrière. Ouais, et je t'aidais à tirer des flèches. Je tirais des flèches, tu vois. Non, tu vas me tuer. Vous allez me fumer. Vous allez me refumer encore. Mais bien sûr que non. Mais vous allez me refumer, frère. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Mais vous êtes défendu. Mais t'es un malade mental. Oui, il y a deux possibilités. Toi, t'es loup et toi, il s'est fait infecter. Mais non. Mais non, il s'est pas fait infecter. Mais non. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Chut, tais-toi. Dis rien. Ah, nice, le glitch. Bien joué. J'ai dit que c'était toi qui t'étais infecté. Donc là, je vais retourner au centre. Non, dire... mais sache, mec, mais personne ne m'a cramé au zéro mais en non, fait. Mais là, Guillaume, personne ne m'a cramé. Bon, la première stratégie ne s'est pas vraiment passée comme prévu. En fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment de ma mort, Luzord restait en arrière exprès et a fait genre de retourner vers les villageois en disant qu'il s'était fait attaquer aussi. Le problème, c'est qu'ils y ont cru. C'est passé comme une lettre à la poste. Et ça a un peu chamboulé mes plans. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais retenter une nouvelle fois de m'infiltrer. Cette fois-ci, tout le monde sait que Luzord est vraiment loup. Il est loup votre pote hein. Il est loup hein Luzord hein, il est loup hein. Il est où chez Rim en fait? Il est où chez Rim? Frérot, Rim il dit qu'il savait pas qui attaquait qui là. Mais parce que moi j'ai attaqué Luzord parce que je suis persuadé de ce que je dis. Chérim, il est loup ton pote, il vient de le tuer frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Il vient de le tuer, qu'est-ce que tu me racontes frère? Ah ouais, mais comment t'as survécu toi? Mais parce que je me suis barré frère. Pour moi ils étaient loups tous les deux, il l'a attaqué en fait. Il s'est fait infecter devant moi et tu le défends. Je suis sûr de ce que j'ai vu en fait. Il est mort, il a res. Tu es loup aussi frère, je vais le tuer. 99% de chance que tu es en couple avec lui, tu le défends corps et âme alors que je l'ai vu mourir devant moi et res en fait. Mais je pense juste qu'il est loup, c'est tout. Mais il est mort par un loup frère. Je l'ai vu se faire tuer par un loup, par blablaga. Il vient de retuer un autre en fait.
Ah mais non, mais je suis d'accord avec toi, là c'est ok pour moi qu'il soit méchant. Il était derrière les autres. Non, non, mais Chérim, c'est lui qui m'a fumé, frère, il m'a tué. Je t'ai vu, il était juste derrière. Attends, ok, mais c'est ok, donc en fait t'as pas toutes les infos. Oui, effectivement, ce que tu dis est vrai, mais il s'est fait tabasser après, et là il a raise. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure au centre. Impossible, il vous a pas suivi. Mais bien sûr que si, frère. Attends, tu veux que je te dise exactement ce qui s'est passé? À un moment, il vous a pas suivi, il s'est arrêté. Non, 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 écoute, je te dis exactement ce qui s'est passé. Mais Chérim, mais écoute-moi, Chérim, branche ton cerveau deux secondes et écoute-moi, frère. On était effectivement tous les deux et effectivement, oui, mais si tu veux, mais effectivement, pour moi, t'es juste en couple avec lui, je te le dis, parce que ce que tu dis, c'est complètement faux, je le sais, je l'ai vu en fait devant moi, d'accord ? Joyeux anniversaire, Chérim. Je te le dis, effectivement, on était deux et je suis d'accord, il m'a complètement aidé, il mettait des flèches derrière. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis là. On s'est barré loin parce que j'ai couru pendant 10 km, il s'est fait tabasser, je l'ai vu mourir devant moi. Mais je sais qu'il est loup, frère, je sais. Et si Chérim le défend depuis tout à l'heure, pour moi, il est juste en couple avec lui. En fait, c'est tout ce qui est en train de se passer. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Donc je finis mon explication. Du coup, il s'est fait tuer devant moi. À ce moment-là, tu n'étais plus là, tu ne voyais rien du tout, tu n'étais absolument pas là. Je ne voyais plus toi, ça c'est sûr. Bah oui, parce que je me suis fait tuer après et reste pour la sorcière, frère. Quand on l'a retrouvé après, il est venu aussi et il m'a tabassé ma mère aussi, en fait. Ah. Mais peut-être qu'il a compris. Non, je sais pas. Non, il est mort devant moi, je l'ai vu raise. Et au moment où j'ai couru pendant 10 ans et demi pour venir devant le village pour dire les gars, je me fais attaquer depuis tout à l'heure, aidez-moi, on est retombé sur Luzord qui m'a aussi attaqué. Alors peut-être qu'après il a fait genre pour s'infiltrer dans le village, etc. Mais à ce moment-là, il était déjà infecté, Chérim. Donc pour moi, soit t'es en couple avec lui, 99% de chance, soit t'es rôle solo et t'essaies juste d'embrouiller. De toute façon, dans tous les cas, il suffit juste qu'on voit là qui est la sorcière et qu'elle dise en fait qu'elle m'arrête. Tu vas voir, ça va être très simple en fait. Et Luzord est infecté, je l'ai tabassé, mais Chérim m'a dit non, ne le tue pas, il n'est pas infecté alors que je sais très bien ce que j'ai vu. Donc j'ai arrêté de le taper. Il s'est mis à me pourchasser avec l'autre derrière. Et sauf qu'il s'est turn sur l'autre, et c'est là que je me suis mis à courir. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un monde où ça se trouve c'est juste toi la sorcière infectée. Oui, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça aussi. Imagine. Ouais, ça serait. Ça du serait... coup, tu fais semblant parce que du coup, tu sais très bien qu'on ne croisera jamais la sorcière. Tout à fait, j'aurais très bien pu faire ça, oui, tout à fait. Chérim, je pense qu'il est grand couple et il a des infos avec un loup, je pense. J'ai pas eu le dernier rôle. Loup-garou. Ok. Je pense que Chérim est en couple. Mmh. Voilà. Je le dis. Parce que vraiment, juste, c'est trop bizarre en fait ce qu'il fait là. Je viens littéralement de décrire ce que j'ai dit. En fait, c'est trop bizarre. Merci en fait. Genre, littéralement, je suis sûr de l'avoir vu mourir devant moi et de se faire infecter. Et je reviens, Chérim est en mode non, il est pas là, il t'a pas tapé, etc. Alors que frère, c'est lui qui m'a fumé, frère, c'est lui qui m'a tué. Le problème, c'est que s'il est pas en couple avec Luzord, pourquoi il le défend en fait? Mais je sais, mais parce qu'il est con, je pense. En fait, je l'ai vu me tabasser en fait, Luzord. Genre, tu veux que je dise quoi? Ou alors, il est ange gardien, il protège Luzord. Ça, c'est possible aussi, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que Luzord, il y aurait aucun. Il sait qu'il est cramé. J'ai pas les rôles, frère, depuis tout à l'heure. J'ai pas les rôles. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il le défendait quand je revenais et que j'étais persuadé qu'il était loup. J'ai arrêté de le taper pour ça. Sauf qu'après, moi, je me suis barré parce que j'étais en mode, ok, là, j'ai deux loups qui me suivent exactement comme avant. En fait, en gros, j'ai deux loups qui me pourchassent. Et littéralement, en fait, il m'a juste. Il s'est juste turn sur le mec qui était derrière moi et il l'a tout shot, en fait. Non, il y a une histoire de couple, du coup, dedans, en fait. Oui, pour moi, oui. Hein. Pour moi, c'est tout simplement juste Chérim qui est en couple. J'ai pas envie de le fumer parce que c'est son anniversaire, mais pour moi, en temps normal, là, je l'aurais détruit. Hein. En fait, j'aimerais bien trouver la sorcière. En fait, ça serait bien que la sorcière parle, mais elle a pas envie de se dévouer, en fait. Si Chérim est en couple, ça serait peut-être Aifik, Cupi ou son couple, du coup. Non, les gens disent que t'étais peut-être JDF, hein. Donc, bon. Il est mort. Il est vraiment mort. Ah bon ? J'ai pas le rôle. C'est qui ? C'était le premier. Le tout premier ? Vanchot ? Ah ! Non, il est assassin ! Oh ! Je suis peut-être assassin, mais. Oh ! Viens, peut-être ? Sa mère. Mais t'es assassin, frère ? Ok. Oh mince. Il est assassin, il est large assassin. Non mais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Couchy ! On fixe quoi ? Ah cool là. J'ai pas compris la strat, mais ok. Couchy ! Faut vraiment il que mort, tu. Hein. C'est pas possible. Il est vraiment bien mort. Non, la vie de ma mère. Il est vraiment, vraiment bien mort. Hein. J'ai pas compris. En fait, tu peux expliquer du coup maintenant, s'il te plaît ? J'ai pas compris votre strat. Ouais, c'est terrible. Après. Il est assassin, le frérot, il est assassin là. Il est assassin, enfin, il s'entame. J'ai pris la salvage, j'ai tué les deux loups. Je vais mourir, à l'aide. Luzord était craintif, Luzord était craintif, Guy l'a essayé, a trahi. Ouais, mais lui, il est assassin, il touche à tout le monde, faites gaffe. Et il a la salvation, je sais pas qui est le salvateur débile, mais. Ouais. Faudra arrêter de mettre les salvations au pif, les gars. Désolé, mon gars. Après. Dans tous les cas, même si je suis assassin, faut d'abord tuer un loup, non ? Oh non, je te garantis que non, frérot. Je te garantis que non. Non, mais le laissez pas me tuer, il va vous touchot. Ouais. Arrêtez d'être débile s'il vous plaît, pitié. Arrêtez d'être débile deux secondes. Assassin, oui. Arrêtez de me débile. Non mais s'il vous plaît en fait. Il vient de tuer les deux loups, frère. Je suis loup aussi, on était trois, il nous a trickshot. S'il vous plaît en fait. Et Luzord mais non était. Non là là. Il est pas été affiché mais il est mort. Mais non là là, mais vous allez quand même pas le croire, pitié. Et donc en gros moi vous me croyez pas, par contre vous le croyez les yeux fermés quoi, en gros c'est ça l'idée en gros. Bah le truc c'est que j'ai passé une bonne partie de ma game 0. Oui tout à fait.
Bon bah je suis mort, bien joué, il va vous two-shot, hein. Bravo les mecs. Hein. Ouais, branchez votre cerveau, pitié, je vous en supplie, hein. C'est mort. Merci. Bon, on a un gros problème là. By Phantom et Assassin. Il vient de terrasser en 3 coups mes 2 potes loups de jour. Et surtout, apparemment, il vient de prendre la salvation. Et ça, c'est destructeur. J'ai été obligé d'utiliser mon pouvoir de résurrection sur Luzord, direct. Le but est qu'il prévienne les autres loups-garous de la menace que By Phantom représente. L'attaque de l'assassin détruit toute la stratégie que j'ai tenté de mettre en place. Toute l'infiltration. Car là, je suis obligé d'aller chercher de l'aide. Sauf que l'aide, je ne vais pas vraiment la trouver. J'ai pas eu les gaps de Luzord, FF. Bah, normal, parce que je les raise. Ah, c'était pas craintif. Ouais, donc c'était. Ouais, c'est bien ça. Donc le fait de revenir à zéro comme ça. Bien. Ah t'inquiète pas. Moi, je joue pas. T'inquiète pas mon gars. Putain tu l'as tout shot quoi. Non j'ai pas tout shot vraiment, j'ai juste j'ai hit and block dans un endroit où il est coincé donc j'ai mis tout. Ah, c'est tu as tout shot Luzord. Oui non ouais j'ai tu as tout shot Luzord deux jours. Ouais. Avec ta T4 voilà. Donc derrière ouais. Vous venez d'entendre littéralement, on est d'accord, ah. Vous avez entendu, il a tout shot. Ah ouais. Luzord deux jours, hein. Voilà. Mais... Il vient de le dire lui-même en fait. Non mais pour le coup c'était vraiment un troll genre par 4. Oui bah oui quel gros troll hein. T'as tué deux loups mais quel gros troll quoi. Deux loups de jour en 2v1 et quel troll de fou. En fait on sait pour un mec mais... Bon, j'ai plus de gap, ça va être compliqué là. Aïe aïe aïe. Mais il vient de le dire lui-même les gars, enfin s'il vous plaît deux secondes genre... Branchez votre casque, il vient de le dire lui-même en fait là. Ouais mais j'ai entendu. Voilà. Bon on l'a attaqué. Donc dis pas que vous êtes pas sûr alors s'il l'a dit lui-même qu'il est assassin. Littéralement il a dit qu'il a touché deux jours un mec avec une T4 quoi en fait. C'est quoi cette game. Je suis mort. Putain pourquoi fallait qu'on tombe sur le putain d'assassin là. On était trois loups à essayer de le tuer, il est incroyable. Il touche tout le monde en fait. Ouais j'ai plus de heal, c'est ma last. Bah attends mais... Attention. Quand même Fushi qui était grimeur et la grimée devant nous. Oh, on a vraiment pas eu de chance. Il a grimé devant nous et dans le fight contre l'assassin il m'a tabassé moi. Ah ouais bah bien joué à lui. Après nous on savait qu'il était il y avait un mot parmi oui, nous. Oui vous êtes combien dans votre groupe? Sont deux. Deux. Vas-y j'arrive. Ouais il y avait un méchant. Ah ça pue du cul là mon gars. Je suis pas méchant hein. Ah si il est méchant mec les gars. Vas-y booste moi. Et il tank hein. Il tank comme jamais. Booste moi encore. Ah. Oh putain t'as pas bougé. Ouais donc j'ai derrière toi, derrière toi. Oh il m'a boosté de fou. Zigap. On peut faire un de deux hein, c'est marrant. Oh. J'ai plus de heal. Le bail fantôme il m'a tabassé ma mère en fait. Chez droite moi. Hein shot à droite. Shot à droite. Comment j'ai vu ouais. Faut jouer hein. Oh bien sûr. What the fuck. Il est tombé. Je tombe en bas, j'ai plus de heal. Faut que tu descendes en bas, mec. T'as des blocs ou pas pour moi? T'as pas un casque en rab, s'il te plaît? Laisse-moi faire. Timer. Timer, mec. Merci beaucoup. Oh, ça pue. C'est la galère, hein. T'inquiète, hein. Je suis avec toi, t'inquiète, je suis avec toi. Go. Fais gaffe. Il est drop. Ok, parfait. Je pense qu'il est ancien. Oh la tristesse. Oui, je pense aussi qu'il est ancien. Il est ancien 100%. Oui, c'est sûr. Va falloir qu'on tue By Phantom très vite, mon gars, je te le dis. Ouais, il a la salvation et il est. Enfin, il nous a tous tout shot, hein, voilà, je te le dis. Ah, Kisao, viens m'aider, Kisao. Ouais. C'est deux loups-garous derrière, mec, mais court ouais. Un peu. Ouais, mais moi je suis pas couvert, je te l'ai dit. Oui, c'est ça le problème. Mais putain. Récupère le stuff, ouais. Génial. Bah, super. Non, c'est bon, t'inquiète. En vrai, je vais rester avec toi. C'était juste pour avoir la speed pour le rattraper, mais je reviens avec toi, c'est bon, t'inquiète. Il faut absolument du stuff. Il faut le heal surtout, faut le stuff et d'huile. Niveau heal, t'en as ou pas? J'en ai deux du coup. Ouais, t'en as deux, dégapole. J'en ai cinq moi, tiens, je peux t'en donner. Par contre, fais gaffe, on est en plein 0-0, il y a les villageois juste derrière, donc viens, on se barre. Ouais, viens, on se casse. J'ai encore mes deux splash moi. Le JDF, il est mort? Apparemment, c'était le premier, il paraît. Apparemment. Celui qu'on a tué avec. Ouais, juste il paraît après que t'avoir tué. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne pas. Il paraît que c'est lui, ouais. Si c'est pas lui, c'est Shirim. Shirim, pour moi, il est rôle solo, je te jure. Pour moi, Shirim, oui, la manière dont il joue, il est rôle solo, je pense. Blablaga a pris alors... s'est fait charmer. Ou alors, il a un rôle à info, mais genre bien vénère, tu vois, pour savoir exactement que Luzord n'est pas mort et que j'ai menti sur ça et pour savoir que j'étais infecté. Luzord est arrivé à ce moment-là, donc j'étais en mode j'ai fake l'attaque, en gros, sur Luzord. Mm-hmm. Sauf que Shirim le défendait en mode non, il est pas loup et tout. Je suis en mode, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est pour ça que pour moi, Shirim, il était en couple avec lui, en vrai. J'ai quand même raise Luzord, il s'est fait tout shot par l'assassin, je les raise. Mais il y a un monde où Luzord est en couple. Mais oui, c'est pour ça, tu vois, je les raise. Parce mais que déjà quand t'as tapé, j'ai hésité. Enfin, quand je t'ai attaqué, genre. Ouais, t'as vu, t'as tapé aussi, ouais. Il m'a quand même bien tapé, hein. Il m'a au moins mis 2-3 coups d'épée. Hein. Y'a moyen que son couple avec Shirim, hein. Oui, y'a moyen de fou. Mais c'est sûr, je pense, parce que tout à l'heure, quand on disait.
on l'accusait avec Blablaga. On était dans un groupe de 3. Ah, il était doux. On était dans un groupe de 3 avec Blablaga et Luzord. Et on était là en mode chérie, mais il y a moyen qu'il soit méchant. On lui dit. Il fait non, je le connais à 100%, c'est sûr, il est pas méchant, etc. Sûr à 100%. Il y a vraiment un monde où il est en couple avec. Dommage qu'on soit tombé sur Boy Phantom qui est tout shot. Et du coup, j'étais en mode. J'ai forcément été obligé de trahir pour aider mes potes loups parce qu'ils allaient tous se faire tout shot. Sauf que du coup, ils sont tous morts. De toute façon, il s'est cramé tout seul à partir du moment où il pensait être le seul à me continuer à me chase. Et je lui ai dit, de toute façon, t'as tout shot de personne. Il dit oui, de toute façon, je tout shot et tout avec le 2 jours et tout. Et je regarde derrière, je vois les deux, je fais voilà, vous avez entendu. Ifik. Cupidon. Oh putain, c'est qui disait ça tout à l'heure? En fait, j'aimerais bien trouver la sorcière. En fait, c'est vraiment que la sorcière parle, mais elle a pas envie de se dévouer en fait. Si Chérine est en couple, ça serait peut-être Ifik, Cupid ou son couple du coup. Je crois que c'était lui, Boy Phantom. Il disait si c'est Chérine en couple, Ifik et Ifik et le Cupidon. Ah, c'était sûr. Ah putain. Pas grave. En vrai, je vais prendre. T'as combien de gap? 2, mais il faut que je heal 2 fois encore. Ça va être là. Ah, merci. Par contre, faut le loup-garou blanc aussi. Enfin, je pense que Chérie met en couple avec Luzord. Moi, je te dis, c'est pas moi. Le loup blanc, c'est pas possible. Parler, s'il te plaît. Juste pour te dire que le couple a bugué. J'aurais préféré que t'attendes la fin de la game plutôt. Pour ah, désolé. Vraiment. Je te dis pas c'est qui le deuxième, mais du coup. Et il est mort du coup, mais le couple est pas mort. Ah, mais t'aurais pas dû dire ça. Non, mais même t'aurais pas dû dire que c'était l'un des mecs d'écho parce que du coup, nous on hésitait sur 2 personnes et c'est pas eux du coup. Ah, désolé, vraiment. J'ai peut-être ruiné la game sur ça, désolé. En vrai, ça en général, faut peut-être attendre la fin de game pour le dire. Hein. Bah, bénef pour nous, j'ai envie de dire. Mais... Ouais, bénef pour nous, mais du coup, trop bizarre les histoires de Chérim, franchement. Pire, on s'en bat les couilles, on y va au zéro comme ça, on fait genre on est 3. Ouais, là, en face, les gars, go 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 go. Mais attends, ils sont en train de tuer By Phantom déjà, je crois. Ah, mais ouais, moi on est pas le même. C'est pas le même groupe, hein, on peut y aller. Mais team avec By Phantom? Les gars, By Phantom, il est stack, hein. Mais qu'est-ce qui branle? Mais non, mais c'était 4 surtout, en fait, du coup. Non, c'est qu'ils team ensemble, en fait. Je comprends pas ce que font les villageois, là. Mais je comprends pas pourquoi ils sont avec l'assassin, quoi. Après, peut-être qu'ils veulent. Ils pensent qu'il y a beaucoup de loups, du coup, ils veulent nous tabasser, quoi, du coup. Ça va être tendu. Bon, l'avantage, c'est qu'il a plus la salvation, quoi. C'est déjà et ça, pourquoi mais. Pourquoi vous teamez avec l'assassin? Mais parce qu'ils m'aiment bien, ils m'ont adopté. Ouais, mais les gars, sans deck. Oh non, Irax, il recommence avec l'assassin. Mais non, mais c'est pour de vrai, mais c'est pas une blague, en fait. Hein. Mais. On a le mystique parmi nous, genre tu crois l'affaire à qui en fait, Boy Phantom, genre. Ouais, tu meurs pas. Eh, si tu meurs une troisième fois. En vrai, c'est pas si grave. T'es mort. Il est là. Salut The Guillaume 84. Salut. Quoi? Ça va The Guillaume 84. Évite de me shooter des flèches parce que genre c'est pas comme si on avait zéro gapple en fait, littéralement. Donc et pas de stuff aussi si vous avez un pantalon éventuellement. Ça j'ai pas. Luzord il a tabassé Ryan et il me dit qu'il est pas LGB. C'est une raison de tabasser un pantalon Guin. 71 de Dura et j'ai res Luzord. Ça c'est vrai, il m'a res. By Phantom est toujours ouais. Assassin, hein, voilà. Oui, mais il team avec lui, frère, what the fuck? Alors que je leur dis depuis une heure. Mec, il m'a trichote. Je vais vous laisser, de toute façon, vous êtes 3. Je vais vous laisser. Non, mais je reste avec toi, moi, je les laisse les deux. Pour moi, Auré, il est LGB, donc. Pour moi, je pensais que t'étais en couple avec. Non, le couple, à ce qui paraît, c'était Wolfrock qui était AFK. C'est ce que le mec, le Cupidon, a dit. T'as défendu corps et âme en disant n'importe quoi. Et tu sais, un truc, quand ils t'ont infecté, enfin, quand ils t'ont tué, ce que j'ai fait, c'est que moi je suis resté en back derrière sans que les autres me voient. Du coup, je suis arrivé, je fais les gars, on s'est fait attaquer par Guil. On s'est fait attaquer par Eros et par Blabla. Et tout le monde m'a cru, J'étais persuadé que tout le monde vous avait vu tous les trois au centre. Donc j'étais en mode, les villageois vous ont vu, vous êtes cramés à 200%, tu vois. Donc j'étais en mode, j'arrive au 0-0, je dis, Luzord est infecté, il s'est fait tuer. Parce qu'au début, effectivement, tu prenais des flèches, donc c'était vrai. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai dit, c'est moi qui me suis fait reste par la sorcière, vu qu'en soi, personne pouvait savoir que c'était pas vrai. Mais Chérim, t'as défendu corps et âme, mais c'est pour ça que j'étais en mode. Mais parce qu'ils y ont cru direct, parce qu'en fait, moi je suis arrivé au 0-0, je fais Chérim. Ah ouais. Il est en train de se faire attaquer, je me suis fait attaquer aussi avec lui par Eros et blabla. Il m'a dit, ah oh, d'accord, ok. Mais pour moi, par contre, du coup, Auré, il est LGB. Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais tuer le Cupidon, il était à un coup et Ryan me l'a volé sous mes yeux. À le tabasser. Je dis, mais mec, tu veux que je te tue? Écoute, j'ai commencé à lui mettre 2-3 coups et l'autre il m'a sauté instant dessus. Ryan il dit, mais non, t'inquiète. Et l'autre il a continué à me sauter dessus sans arrêter. Ouais, vraiment en mode. Il a fait tuer du coup? Il était pas loin, ouais. Et j'étais obligé de te mettre un coup du coup, mec. J'étais obligé de te mettre un coup parce que j'étais en mode, vu que je venais de te faire passer pour infecté en disant que c'est toi-même qui m'avais tué et infecté, j'étais en mode. Alors. T'inquiète, pas de problème. C'est pour ça qu'après j'étais en mode, vite on le tue lui et je fais genre, je retourne au centre, je dis que c'est toi qui l'a tué, etc. Et en vrai ça passait quoi, en plus t'es arrivé, t'as tué la PF, mec, c'était le plan parfait. S'il y avait pas By Phantom, c'était le plan du siècle, mec. Hein. J'étais tranquille avec les villageois, il y avait que Chérim qui me suspectait, donc moi je pensais qu'il était genre en couple, à la limite. Et puis tu m'arrêtes, j'ai croisé l'autre, là, l'ange gardien. Enfin, 20x, je sais pas comment ça. Ils sont deux, mais dégage. Ah bah y'a By Phantom, l'assassin. Bah tiens, y'a toujours l'assassin à côté. Nickel. Ah, les gars, va falloir arrêter tout up, hein. Mais d'une façon, c'est ouais. Sachez qu'il a, c'est lui qui a tué le montreur d'ours quand même, hein, mais bon. Ouais. Bah,
Ouais, mais t'es mais ça m'a la mentale, lui. Hein. Ou... Non, non, j'en ai aucune idée en fait, sache-le. J'ai une petite question, si mon couple est mort de déco, je suis solo, je gagne avec le village. Bah, c'est une très bonne question, mais l'autre il nous a déjà tout leak, ouais, donc il nous avait déjà dit. Ah, le marais. Guillaume, je suis loin. Ouais, t'inquiète. Oh, des problèmes, encore. On a un loup qui peut venir, un loup qui peut venir, pas deux. Ok, bah vas-y, je viens. Faut tuer Bay Phantom. À la limite, l'autre, c'est moins important. Bouge une fois, s'il te plaît, merci. Ah, pas bon côté. C'est lui la menace. Allez, voilà, nickel. Ok, c'est lui la grosse menace. Il faut le tuer absolument parce que avec sa T4 et tout, c'était l'enfer. Voilà. Non, il est assassin. Oh, je suis peut-être assassin, mais. Oh, viens peut-être. Sa mère. Mais t'es assassin, frère. Ok. On fixe. Yeah, cool. J'ai pas compris la strat, mais ok. Fuji, faut vraiment il que mort, tu. Hein. C'est pas possible. Il est vraiment bien mort. Non, la vie de ma mère. Il est vraiment vraiment bien mort. Hein. Ah non, il est assassin. Peut-être assassin, mais. Guillaume, par contre, viens peut-être. Oh mince. Il est assassin, il est large assassin. Non mais. Mais qu'est-ce que tu fais? Un fixe. Yeah, cool. Il est assassin, là. J'ai pris la salva, j'ai tué les deux loups. Je vais mourir, à l'aide. L'user était craintif, Guilla a trahi. Ok. Quoi? Mais c'est ça le batteur? Mais mec, il m'a trichote, tu l'as vu devant? Tu l'as vu quand même qui m'a trichote. L'assassin n'était pas du tout celui qu'on pensait. Bah, Phantom était salvateur et non assassin. Ça explique pourquoi les villageois jouaient-on avec lui. Pourtant, sur mon point de vue, on aurait vraiment pensé qu'il avait un puissant effet de force le jour. C'est hallucinant la vitesse à laquelle il a tué tous mes alliés. Et ça change beaucoup de choses, car l'assassin se trouve certainement encore dans le village donc. Et surtout, il y a toujours un loup-garou blanc chez nous. Genre, tu commences à être de plus en plus bizarre. Non, mais c'est vrai, c'est pour le coup, je l'ai vu se faire trichote. Et le pire, c'est que l'autre après s'est aussi fait trichote en fait. Donc du coup, j'étais en mode. Le yo-yo, je sais plus quoi, là il s'est fait tout shot par lui. Mais vous avez juste pas de vie alors, c'est pas possible en fait. Vous ouais, avez pas gardé. J'étais full vie. Vas-y, on repart à deux ou du coup, ouais. Je sais pas. Vas-y. Moi je le laisse avec là, le LGB, hein. Je veux pas être avec le LGB là-bas. Du coup, il reste toujours l'assassin, hein. Ouais, du coup, il reste toujours l'assassin. Ouais, bah, c'est quel mystique là? Je pense que je sais qui c'est du coup l'assassin. Bah, dis-le nous. Pas l'autre, hein, pas sûr. Bon, lui il est ancien, mais il a plus la résistance maintenant. Donc, normalement. Pardon, vas-y, on nique-le. Oui, bien joué. Bien joué, mec. Vas-y, je te suis, t'inquiète, je suis avec toi. Okay. C'est bon, il est mort. Bon, ok, bon, parfait. On est deux à deux. Il y a un problème. Non, quoi? Il est mort de la chute, il est mort de la perle. J'arrive avec la speed. Vas-y, t'inquiète, hein. C'est bon, il est mort. Il est mort de la perle, l'autre. Voilà. GG, mec. Le stuff hip hop là, putain, let's go! Et du coup, l'autre, conteuse, ils auraient pu largement nous tuer hein, s'ils nous fightaient. On les a fait, on était deux. Ouais, là, ce qui fait qu'on win, c'est que j'ai bien cut l'autre là. Ouais, mais carrément, mais je t'ai mis un coup d'épée et pour tu m'as boost et en fait, en l'air, je continue à le taper. Ah non, on entend beaucoup son clavier, je trouve quand même. Hein. Ton clavier, mec, on l'entend à 10 km. Hein. Ouais, petit problème, je crois. Comment vous savez que du coup, Bay Phantom, il était pas assassin? Parce qu'il m'a mis la salve. Ah, il te l'a dit, ok, ouais. C'est toi l'assassin du coup? Ah, même pas, je suis un autre rôle solo. On est tellement bien. Ouais, bah t'inquiète, c'est bientôt la fin de game, je crois. Bon, mais y'a toujours l'LGB, hein. Ouais, ou c'est le solitaire, vrai. Dis-moi. Je sais pas qui c'est. Ouais, bon, on va visiter, on va voir si c'est le même. Je pense pas que ce soit toi, Lulu. Je te jure que non. Bah non, parce que je pense qu'en vrai, là, t'aurais aucun intérêt à ne pas me tuer, en fait. Ouais, bah, ah, ça. Oui, ça, oui, hein. Pour moi, premier deck, c'est Auré, hein. Je resterai fixé sur ça. Mais y'a d'autres personnes là, je vais péter mon crâne. Faut venir vous aider? Non. Non. Ok. Enfin, un peu, mais sauf s'il y a le LGB quoi, mais là il peut au cas où. Vas-y. C'est pas moi, hein. Par contre, faut pas, que hein. Par contre, les autres loups, s'il vous plaît, éloignez-vous dans ces cas-là, genre que ça fasse vraiment des vrais groupes, s'il vous plaît. Sinon, si là par exemple Ryan et les loups solitaires qui veut trahir, il peut pas, genre. Pendant un moment, j'étais vraiment en train de me dire que vous aviez vraiment zéro IQ. Hein. Chérie, désolé. T'es quoi? Il est villageois, il est avec toi. C'est vrai ou pas? Oui, non, c'est vrai. Non, mais cours vraiment. Ah ok, tu m'as dit. Tu sais c'est qui le solitaire ou pas? Bah non, je sais pas, mec. Faudrait qu'il trahisse d'ailleurs, hein, si jamais. Ah bah non, mais il est parti là-bas. Mais moi, pour moi, c'est Auré, hein, je te jure, hein, ça, je changerai pas de position. Peut-être, hein, vu comment il t'a tabassé. Ah,
attaquer frère, je t'ai juste corrigé parce que tu m'as volé mon cul, c'est pas pareil. Putain, voilà, Power 4 aussi. J'ai pas pris aussi le Cupidon, tiens. Bah, c'est la PF et le Cupidon que j'ai pas pris. Ah ouais, putain, mais il y a combien de Power 4 dans la game? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là-bas, ils sont là. Full nord, full nord. Et je te jure qu'Auril est solitaire. Après, il devait y avoir un solitaire. Il n'y a pas eu de loup-garou blanc qui est mort, donc il devait y avoir un solitaire. Vu le nombre de loups qu'il y avait, qu'on m'avait infecté, clairement. Hein. Du coup, Jérim, t'avais parfaitement raison, du coup. C'est exactement ça qui s'est passé. Bah oui, mais je me doute bien que j'avais raison. Si je te vois là. Et Jerez de Luzord, du coup, qui s'est fait tuer. Bon anniversaire, Jérim. Merci. Happy birthday. Viens, j'ai un gâteau pour toi là. attends, si tu veux, je t'en offre un. Regarde, non, non, casse-toi. Non. T'es vraiment un chien. Le pauvre. T'es vraiment un chien. Ok, ça va. Hop là, on fait de poisson un peu. Ok, ça va plus là. Le power 4 là, ça va un peu moins, je pense. Ah oui, non. Je suis trop con. Trop nul. Oh, je suis trop nul à l'arc, vraiment. Je pense faut que j'arrête le jeu. Mets tes blocs derrière toi, s'il te plaît, j'ai vraiment pas de. Ouais, merci. J'ai plus de blocs. Prends pas l'arbre. Je vois contre. Pas ce que je mets devant. Non, mais mec, il est allé sur l'arbre. Je vois pas, du coup, tu sais, je suis en train de m'attraquer ma souris en bas. Est-ce que je vais réussir à aussi bien que tout à l'heure? Ah mais... J'ai un demi-cœur hein. Merde, non, c'était une blague. Tu l'as tué, bah au moins... La vie de ma mère, je te jure que j'ai pas fait exprès. Je voulais troller pour faire genre j'étais le LGB, je te promets que j'ai pas fait exprès. Je te promets que c'est vrai frère. Non, je te jure que c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Mais je te jure que je voulais juste troller et te mettre un coup. Et t'as dit j'ai un demi-cœur trop tard. Je t'avais dit attends. Mais arrête, ils vont croire que c'est moi le méchant du coup. Oh, ça pourrait tellement être moi mec, tu pourrais tellement me tuer. T'as volé mon kill, il fallait pas faire ça. J'ai fait 3 kills mec, c'est quoi? En vrai l'avantage c'est que j'ai récupéré toutes les gaps de Ryan et là ça m'a mis Gucci vu que je suis LGB. Avec le punch en plus mec. Ah ouais, le punch il va te mettre bien. Oh pitié que je devienne LGB maintenant en fait là. Pitié en fait. Imagine, c'est mais non, ça peut pas être si tard. Non mais en vrai pitié s'il vous plaît, je mettez-moi quand même LGB, j'aurais fait le move prédiction de l'année quoi. Moi je voulais juste te troller et te faire croire que j'étais le LGB pour que tu dises lui, c'est qui le LGB tu vois. Mais en fait t'as même pas eu le temps de le dire, t'es mort en fait. Genre au moment où j'ai appuyé sur ma souris, il a dit j'ai un demi-cœur. Je fais bah du coup. Ah bah GG hein. Le temps que ça monte à mon cerveau, j'avais déjà tapé en fait. Alors que c'était lui le solo. Ah, t'es sérieux? Oh, mais non. Mais non, je rigole. Mais non, mec, je rigole. Mais non, mais t'es sérieux? Mais non, mais oui, bien sûr, je rigole. Mais non, mais je te jure, je rigole. Le couple est mort, le couple a bugué en fait. Hein. Le couple a bugué. Pour moi, c'est 100% Luzord. Donc, pour moi, c'était Luzord. Bon, allez, viens là, toi, ça me saoule. Allez, c'est ouais, bon. Moi, allez, ça me saoule. Bah, arrangez-vous entre vous, hein, parce que moi. Luzord est persuadé que c'est lui depuis tout à l'heure. Ça fait une heure, il me dit que c'est lui. Mais moi aussi, je pensais que c'était Luzord. En fait, quand il a réagi. Non, mais pas Luzord, lui. C'est lui, vous tuez pas, c'est lui. Lulu. Non, mais... Tu te méprends, là. Oh, il est mort. Lulu! Bonne chance pour la game, les gars. Lulu! Quoi, C'est lui, mais il veut tabasser, frère. Attends, je suis un peu pas bien, y'a Chérim derrière moi aussi. Non, il me tabasse, frère. Il m'a détruit ma mère. Il m'a fait une trichotte, j'étais un niqueur. Je suis avec toi, j'en supplie. Je sais. Mais frère, c'est la merde, là, en fait. Attends, faut que je heal, en fait. Il m'a détruit ma mère, Chérim est juste derrière. Attends, t'es où, Luzord? C'est bon, je l'ai mis en bas. Putain, mais t'as tué un loup, frère. Bah ouais, mais je le pensais loup. En fait, tu te rends compte que les deux derniers loups qu'on tue, c'est nous deux. Non, mais après, blabla, c'est une honte que tu l'aies pas attaqué avant, hein, je te jure, hein, comprends pas, hein, blabla. Non, mais il a super bien joué, il a attendu le moment où vous allez vous tabasser et il m'a sauté dessus, je l'ai même pas vu arriver, frère. Oh, je sais même pas comment je suis pas mort, la vie, frère. C'est une honte que t'aies pas attaqué avant, je te jure. J'ai mis deux flèches qui m'ont sauvé. T'as tué des gens, blabla, au moins ou pas? J'ai tué le JDF. Bah, c'est lui, tu sais qu'en vrai, je te jure, c'est lui qui a insisté de ouf et genre, ça m'a fait croire ça. J'ai Chérim. Il t'appelle mauvais. Vas-y. Allez. Ouais, frère, doucement. Oh là, mec, Chérim, tu vas où là comme ça? C'est bon, là il est pas bien. Lui, je sais que je l'ai marave, hein. Il est pas bien. C'est rigolo, hein. Tu l'es? Bien joué. Ah, yes. C'est bon, il est mort aussi. Let's go! C'est quoi cette game? What the fuck? La game était trop cool, merci pour la game. C'est quoi cette game de folie, frère? Voilà, franchement, belle game. Je suis dégoûté que t'aies ouvert ta gueule, Chérim. Ça a été en train de passer parfaitement ma stratégie de faire passer l'usure par l'infecté. J'avais tout calculé, gros. Mais t'avais tout calculé, mais. Attends, tu dis que t'avais tout calculé, t'es tombé dans le panneau de l'usure qui fait les gars, il s'est fait attaquer et tout, alors que c'est juste lui qui m'a fumé ma race en fait. Hein. Vraiment, t'es tombé dans son panneau, quoi. Exactement. Mais attends, on a 6 et 5 kills, mais on est des malades mentaux. Mais toi, t'es un fou, mec. Hein. Toi, t'es trop fort, en fait. Après, bon, on a tué deux loups dedans. T'as tué le grand méchant loup et j'ai tué Ryan juste au-dessus. Donc bon, je suis pas sûr. Mais bravo, les gars, vous avez gagné quand même. Ouais, on a gagné.
gagné hein, tous ensemble. Et on remporte donc cette partie avec Luzord. Et ça a pourtant très mal failli se passer à la fin. Et comme un signe du destin, les deux restants en vie à la fin sont les deux qui ont été ressuscités après être morts une première fois. Main dans la main, après quelques grosses galères, on remporte ce loup-garou ensemble. Une partie où j'ai tenté des actions stratégiques et où la magie de LGUHC s'est une nouvelle fois fait ressentir, puisque j'ai pensé à tort toute la partie que Bye Phantom était assassin. Et en quelque sorte, on peut dire aussi que j'ai un petit peu tenté de vous la mettre à l'envers également. Comme je le disais en tout début de vidéo, il y aura forcément un moment où quelqu'un qui vous semblait de confiance vous mettra un couteau dans le dos. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est le cas, et on se dit à très vite, ici ou en live sur mon Twitch.